19h, l'heure du stream. Aujourd'hui, on va rouvrir les pages de nos archives sur les shmups pour se replonger sur un titre très très méconnu. Mais préalablement, nous allons faire un petit instant culture, les enfants, puisqu'il faut que je vous rappelle ce à quoi correspond une Rafflesia. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est le titre du jeu, et on va en parler. Et j'aimerais bien démystifier quand même cette chose. Puisque c'est issu d'un mot qui existe dans le vocabulaire et qui est dédié à cette plante étrange et extraordinaire à la fois, qu'est la Rafflesia, dite Arnoldi. Alors, pour résumer, c'est la fleur simple, la plus grande du monde végétal, dixit Wikipédia. Chez certaines espèces, comme Rafflesia arnoldi, elle peut atteindre 1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 10 kilos. Moi, je cautionne ce côté magnifique. Il y a juste un détail, c'est qu'on a oublié de vous rappeler que c'est une des rares fleurs qui, quand même, sent énormément la merde. Est-ce que ça va nous porter chance aujourd'hui pour le shoot qu'on va explorer et qui porte exactement le même nom, Rafflesia? Bah, c'est ce qu'on va regarder, c'est fait par Sega, ça date de... Je vais vous trouver ça tout de suite. Oui, je fais des bruitages avec ça. Ça comble un petit peu l'ambiance radiophonique. Il date de 1986, le pépère. Sega, qu'est-ce que tu savais faire en 1986? Fais-nous voir tout de suite. Adieu les images. Bonjour le jeu. Rafflesia, c'est now. Juste pour toi, public. Bon, on n'a pas trop de fleurs, je suis déçu. On a un vaisseau, je suis content. On a des ennemis qui ont l'air bien pénibles de chez pénibles. Est-ce que tout ça va être jouable? Sachant qu'en 86, la guerre au niveau concurrence sur les shmups, c'était l'enfer total, quoi. Il y avait le meilleur qui côtoyait les pires bouses imaginables, peu importe la taille de l'éditeur. J'ai très peur, mais on y va quand même. Alors, j'ai juste de l'énergie. Ah, ça, c'est du bonus. Oui, bah, d'accord. Orange, bonus, note. Hein? Quoi? Con? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, on y retourne. Orange, bonus. Vert, méchant. Jaune, méchant. Tir annexe? Non. Super bombe? Non. Tir chargé? Non. Démerde-toi? Oui. Les yeux pour pleurer? Optionnel. Mais tu peux les sortir. J'espère que c'est l'émulation qui est un poil rapide, puisque je ne doute pas que je repars au début. Non, même pas. Mais bon, je repars à la balle précédente, c'est pas mal. On reste pas sur les côtés, il y a des connards qui vont arriver à prendre les caisses. Ok, j'ai enregistré. Les côtés, hein, pas milieu. J'ai bon là, j'ai bon là, là j'ai bon, et là, j'ai bon, je ne bougerai pas du milieu. Quoi qu'il advienne. Tu as raté tous les bonus du coup. Oui, mais j'ai survécu. Et si je survis, c'est déjà une putain de bonne nouvelle. Kong. Hop, oh, c'est pas une ça. Il y a des trucs, faut savoir que c'est des bonus, hein, les enfants. Razette. Alors, c'est à peu près jouable. Même si je vais quand même émettre des réserves sur la lisibilité qui est quand même bien, bien merdique. Hein. Faut dire ce qu'il est. Et alors, le rapport avec le titre. Je cherche. Ah, voilà des bulles bas de l'espace. Qui, si tu ne les démontes pas, ne te rentreront pas. Voilà qui vient de titiller ma curiosité. Est-ce qu'on y retourne? Bah oui, 4 minutes pour un stream réglementaire, moi c'est 5. Donc il faut absolument qu'on y retourne. Il n'y a pas de continu, nous sommes en 1985, je confirme. Concentration. Toi, you've got to fight for your right. For your right to survive. Il ne reste pas au milieu. Comment ça ne reste pas au milieu maintenant? Non, après. Ils arrivent les autres là. Ok. Ça là? Ouais. Ah, il ne reste pas sur les côtés en fait, je voulais dire. Ouais, parce que là, je suis au milieu. C'est combien à parler? Tout seul, mais ça meuble. J'en ai pas eu un seul. Si c'est pas la classe, ça ressemble pas mal. C'est un bonus ça. Un bonus orange, c'est un truc que je vais pas m'y faire. Oui, alors eux, faut pas qu'ils aient pas en bas les plans, sinon je suis mort.
Grosso merdo, c'est du destroy all. Tu destroy pas all, t'es remove. Là, c'est le débuild. Tu débuild derrière, tu remontes. Oui, bah oui, mais faut j'ai le réflexe. C'est un bonus le truc jaune ou pas? Là, j'aimerais avoir le chat pour qu'on me réponde. Oh là là, je suis arrivé à la phase d'après, mais j'aurais préféré rester chez moi. Ça commence à devenir limite jouable, c'est un peu... Comment dirais-je? Croucrapoc. Non, c'est pas le bon nom. C'est un peu vache, quoi. Reste sur le côté, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Non, reste au milieu, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Ne bouge pas du milieu, un peu toi. Voilà, tu es... Quoi? Comment? Qui? Où? Merde, de l'argent encore. Cette borne vient de se goinfrer toute ma monnaie sonnante et frétillante. Je suis tristesse, regarde. Mon regard qui commence à s'humidifier si tu ne me donnes pas de l'argent. Comment ça? On appelle ça du chantage à l'affection. Je m'en fous, je veux jouer. Si je joue pas, je me roule par terre. Bah, ceci dit, pour se rouler par terre, pour ce jeu, fallait vraiment vouloir et avoir que celui-là à 50 km à la ronde. Hein. Donc, tu n'es pas validé Rafflesia. Tu iras dans la malle des vieux titres historiques sur lesquels on grince un petit peu à l'idée de remettre le pad dessus. Puisque tu t'avères pas supra jouable, tu portes bien tes années. Et encore en 1986, on faisait d'autres titres merveilleusement mieux foutus que toi. Voilà, c'était la petite review du jour sur du shmup. Je vous donne rendez-vous demain à 19h et je vous laisse avec les playlists habituelles. Ciao, wow, 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 wow. T'en as pas fait trop là ?